Essence. Les détaillants de la Gaspésie prennent un profit plus élevé que la moyenne québécoise, selon Ma Gaspésie. L'avis sur les écarts de prix et des marges de commercialisation entre la région de la Capitale-Nationale et les autres régions du Québec, dévoilé par la Régie de l'énergie, indique que le prix moyen annuel de l'essence en Gaspésie a été parmi les plus élevés de la province pour 3 des 5 dernières années. Seule la région du nord du Québec a surpassé la Gaspésie en termes de prix en 2020, 2021 et 2022. Les marges des détaillants gaspésiens ont augmenté plus rapidement que la moyenne québécoise, passant d'un écart de 2,73 cents en 2018 à 3,97 cents en 2023. La marge nette en Gaspésie est également supérieure à la moyenne provinciale, indiquant des profits plus élevés pour les détaillants régionaux. La faible concurrence avec seulement 8 distributeurs pourrait expliquer ces marges élevées. Face à cette situation, le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a appelé les principaux détaillants à justifier leurs marges et a demandé une enquête au Bureau de la concurrence. Les élus locaux en Gaspésie ont également exprimé leurs préoccupations en envisageant de relancer le bureau pour une enquête approfondie. Un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et conjugales selon Radio Gaspésie. La Gaspésie fait partie d'une série de projets pilotes lancés par le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette visant à faciliter le parcours judiciaire des victimes d'actes sexuels et de violences conjugales. Pour cela, un tribunal spécialisé sera mis en place. Les palais de justice de Percé et New Carlisle subiront des aménagements pour éviter les interactions entre plaignantes et accusées. Suite à la campagne #MoiAussi, les plaintes ont augmenté au Québec, y compris dans les districts judiciaires de Bonaventure et de Gaspé. Le gouvernement du Québec cherche à simplifier le processus judiciaire pour ces affaires. Les victimes peuvent désormais demander une compensation sans limite de temps après l'acte. Le projet s'assure également que la victime soit toujours accompagnée du même procureur. Selon Éric Morin, directeur à la direction des poursuites criminelles et pénales du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles et de la Côte-Nord, cette approche était déjà mise en œuvre dans la région. De plus, des espaces dédiés aux victimes existent déjà dans les tribunaux locaux, mais d'autres aménagements sont prévus. Enfin, Québec a ajouté 2 intervenants du CAVAC dans la région pour mieux soutenir les victimes. Une faillite impactera les activités de Pit Caribou, selon Ma Gaspésie. La faillite de la seule usine québécoise de lavage de bouteilles de microbrasserie pose des problèmes à Pit Caribou, un brasseur de Percé. Avec une tendance croissante à l'achat de bières en canette, l'usine avait de moins en moins de bouteilles à laver. Jean-François Neilly, copropriétaire de Pit Caribou, souligne que cette situation a des implications financières et environnementales car les bouteilles recyclées coûtent moins cher et émettent moitié moins de CO2 que les canettes. Bien que Pit Caribou se soit tourné vers les canettes il y a 2 ans, la demande pour les bouteilles persiste. La microbrasserie doit maintenant se procurer des bouteilles neuves à chaque production, augmentant ainsi ses coûts. Jean-François Neillis note une augmentation de 60% des coûts des intrants en 1 an et demi, alors que le prix de leur bière n'a augmenté que de 5%. Les microbrasseries appellent le gouvernement à réduire les charges réglementaires. Malgré ces défis, Pit Caribou continue de croître, s'approchant de sa limite de production de 1,1 million de litres. Pour continuer à grandir, l'entreprise explore différentes options, dont la collaboration avec d'autres entreprises et l'expansion de leur capacité de production. Énergie éolienne, des redevances plus petites en 2024 pour les municipalités, selon Ma Gaspésie. En 2024, les municipalités membres de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine recevront une redevance réduite de 4 millions de dollars comparativement aux 4,25 millions de 2023. Cette réduction est justifiée par les investissements nécessaires à la construction des 922 MW remportés par l'Alliance de l'énergie de l'Est suite à des appels d'offres d'Hydro-Québec. Simon Deschênes, président de la Régie, rassure en indiquant que cette mesure est temporaire et que les futurs parcs éoliens devraient couvrir les coûts engagés. Une fois opérationnels, ces parcs produiront 1200 MW. L'Alliance a réussi à faire adopter 4 des 6 projets par Hydro-Québec. Les travaux devraient débuter au dernier trimestre de 2024 avec une livraison d'énergie prévue pour décembre 2026. Par ailleurs, la Régie avait anticipé l'emprunt de 125 millions de dollars auprès des municipalités, mais après une révision, seulement 94 millions de dollars seraient nécessaires. En prévision des appels d'offres de septembre dernier, un exercice similaire de financement serait réalisé. La Régie pourrait potentiellement contribuer jusqu'à 75 millions de dollars à ce projet.
Marinard vendu à des Gaspésiens et réouverture lundi selon Radio Gaspésie. Les frères Bill et George Sheen, propriétaires de Eugagnon et fils de Sainte-Thérèse de Gaspé, ont acquis l'entreprise Marinard de Rivière-Ornard. Ils envisagent de redémarrer les activités de l'usine dès la semaine suivante. Outre l'usine, ils ont également acquis d'autres actifs dont Marinard Biotech, la poissonnerie La Marinière et Marinard Informatique. Cette transaction a pour objectif de ramener l'entreprise, précédemment détenue par Daley Seafood de Terre-Neuve, sur le sol gaspésien. Bill Sheen évoque également le bien-être des travailleurs en usine qui n'avaient pas accès à l'assurance-emploi et la présence de crevettes cuites laissées par les anciens propriétaires à emballer. Face à la rareté des ressources, les Sheen envisagent des tests de transformation et des crevettes importées de Norvège. Si ces tests s'avèrent positifs, cela pourrait offrir une solution à la réduction des quotas prévus pour 2024. Cependant, Bill Sheen est sceptique quant à l'utilisation du sébaste pour remplacer la crevette à court terme, car le marché n'est pas suffisamment mature. Il est à noter que les frères Sheen ont déjà détenu des parts dans Marinard entre 2010 et 2015. Vente de Marinard, le milieu se montre satisfait, selon Magaspésie. L'entreprise Eugagnon et fils basée à Sainte-Thérèse-de-Gaspé a acquis Marinard de Rivière-Ornard, une décision qui a reçu un accueil positif de la part des principaux intervenants de la région. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, voit cette acquisition comme une opportunité de revitaliser le secteur des pêches et de préserver les emplois. Face au déclin de la crevette, secteur d'activité de l'usine, il exprime son espoir quant à l'avenir sous la houlette de nouveaux propriétaires. Le gouvernement provincial était au courant de l'achat, mais n'a pas dû intervenir. Le député de Gaspé Stéphane Sainte-Croix apprécie que l'entreprise revienne sous contrôle québécois, notamment pour sécuriser les emplois. Eugagnon et fils spécialisés dans le homard et le crabe pourraient solliciter de nouveaux permis pour optimiser la rentabilité de l'usine. L'Office des pêcheurs de crevettes du Québec et le syndicat des travailleurs voient cette acquisition comme une lueur d'espoir pour les employés. Les nouveaux propriétaires prévoient de reprendre les activités rapidement avec un focus sur la crevette pour les tests et leur emballage afin de garantir les droits à l'assurance emploi des travailleurs. Agriculture, la pire saison en 20 ans selon Magaspésie. En 2023, la Gaspésie-Île de la Madeleine connaît sa pire production agricole depuis 20 ans selon Michel Poirier, la présidente sortante de l'Union des producteurs agricoles UPA de la région. Les conditions climatiques ont été désastreuses, affectant toutes les cultures, des pommes de terre au foin. Pour s'adapter au changement climatique, les producteurs envisagent d'adopter des techniques agricoles régénératives, notamment pour améliorer la résilience des sols, mais ils font également face à une hausse notable des taux d'intérêt, ce qui inquiète Madame Poirier. Elle reproche au gouvernement du Québec et au ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, de ne pas être assez à l'écoute des difficultés du secteur. Toutefois, lors du prochain congrès de l'UPA, des efforts seront faits pour obtenir une meilleure écoute gouvernementale. Après avoir dirigé l'UPA régionale pendant 6 ans, Madame Poirier passe le relais à Sylvain Arbour, confiante dans la capacité de l'organisation à se renouveler. Elle met en avant des collaborations fructueuses avec différentes entités régionales et se montre optimiste quant à l'avenir, notamment avec l'ajout prochain de fermes laitières et bovines dans la région. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet.